Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 56 de Baldur's Gate avec un nain qui se prend les murs, un élémentaire de feu qui flamme et un warlock qui mange le sol. Ouais, Voilà. salut, ouais. Regardez, hop là, ça marche comme ça. Ah, bah non, c'est bon, j'ai réussi. Tu vois, voilà, C'est beau. Attends, non, 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 bah attends, c'est pas fini. Regarde là, je. Voilà, Mais c'est forcément, super. tu te prends le linteau de porte aussi. Mais c'est vrai qu'il ressemble vachement à Sauron, mon élémentaire. Hein. C'est vous Il est qui avez un beau, hein. style, quoi. Ouais. Ouais, j'avoue, c'est Sauron. Taouh, Ils auraient dû lui mettre une petite masse, ça aurait été vachement mieux. Et bah, c'est paf. Ah, je Bon, peux pas du jeter coup, on va l'élémentaire. plutôt là, c'est ça? Exactement, allons. Oui. Ouais. On va plutôt là. Yatta! Yatta! Je pense à la musique aussi. C'est. Ça vient, ça. C'est bah, c'est une musique japonaise, hein, Yatta. Ouais, c'est. C'est tout Je pense que c'est vieux. Le lui. clip est un des premiers mèmes internet. Hein. Si t'as pas vu le clip de Oh, Yatta, tu manques quelque sauvegarde! chose. C'est pas C'est moi. toi qui as save? Non, mais je sais qu'il y a un Oh, ennemi y'a qui est plein par de là. rats là-bas! Oh, y'a plein de rats! Oh, il y a plein de rats. Fireball. Alors, où ça, y'a plein de rats? Ah, tu le verras bientôt. Y'a un coffre en bois. Et une caisse en bois. Ils arrêtent pas de bouger. Ok, ils sont pas méchants. Son cerveau va profiter d'un cerveau vénérable. Son antre ne doit plus être bien loin. Je sens bien le truc, comme quoi ils vont nous pourrir la gueule. Ça, je me suis planté, j'ai envoyé des Arda, tu dois peut-être pouvoir faire des potions ah. de vitesse. Le gars dit demi-tour, on devrait avoir toutes les pierres avant de pouvoir s'approcher du cerveau. Mais il y a un cercle symbole qui est juste là, donc ça vaut la peine d'aller l'activer. J'y vais. Non, attends, vaut mieux que je. Ok, d'accord. Vas-y, hein. Bon chance, mec. Moi, je te regarde. Et il est où ton cercle symbole? If Ah là! Ah, il y a un cadavre. Voilà. Ah. Allez, bisous, hein. Ciao. Oh bah ça va, ils sont deux PV. Oui, mais regarde le nombre qu'ils sont. Enfin, ça va, ils doivent faire d'autres dommages. Ouais, ils font d'autres dommages. Non? Bah tu vas voir. Tu prends la température, tu nous dis, d'accord? T'inquiète, je prends la température. D'où ils jouent? Moi j'ai fait qu'une action. Hein. Oh! Oh! Attends! Arda, dis-moi que t'es pas en combat. Attends. Je peux faire un truc. Attendez, je peux faire un truc encore mieux. J'espère que je vais pas t'embarquer avec, par contre. Et il tombe dans l'eau, il meurt. Attention, j'essaye un truc. Tu peux pas me déplacer. Ah, c'est vrai. Voilà! Ils sont tous paqués! Oh, Arda, là, c'est un. Boule de feu! Now! Mais je suis loin! Ah, t'es si loin dans le planète Nord. Ah ouais. Ouais, c'est Oh, c'est dommage, rejoue, hein. David, c'était. Mais tu peux pas mettre une boule de feu, toi? J'avoue que ça fait plaisir. Oh merde! Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah, je suis confusé, je vous attaque. Bah, let's go. Ouais. Ah bah, parfait! Oh bah. Voilà. Bon bah, il a fait ce que. C'est bien, le perso, il a fait ce que je voulais faire. Alors par contre, vous savez que c'était pas ma volonté, hein, c'est... Il est... Non, 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 Katox, avec tout ce qu'on a traversé ensemble, voyons. C'est vrai, j'avoue. On est potes. Non, non, mais on est potes. On est potes. C'est vrai, j'avoue. Tu ferais pas ça à ton vieux copain. Après, d'ailleurs, si tu peux balancer une... Allez. Bon, par contre, je te promets... Et... C'est pour voir si on pouvait pas te... Te réveiller un peu. Au loin, je peux pas. Eh hey, mais du coup, je suis contrôlé aussi. Ah, super, let's go. Allez, bah, au moins, on est redevenu copain. Ah, mais c'est vrai qu'on est tous confus là. Arda, fais bien attention. Oh putain, on va tous t'attaquer la gueule. Hein. Donc, bah, bon chance. Hein. Non, parce que je pense que. Non, non, il y a marqué que. On est hostile à tout le monde.
Ah bon, on va se taper la... on va se meuler la gueule entre nous. Là c'est possible. En vrai, faudrait que t'arrives à buter les rats qui sont autour de moi si tu peux, ça serait... Ah, ils sont trop loin et je suis à portée max. Tu peux plus te déplacer là ? Non, faut que je me fasse une foulée brumeuse. Non, bah t'embêtes pas à claquer ça. Après c'est vrai qu'effectivement ils font que un point de dégâts, c'est bizarre, je me rappelais qu'ils faisaient plus que ce... J'ai save contre la... j'ai passé mon temps. Oh trop bien, j'aime bien les petits rats qui se jettent dans la... Ah bah les... Ah bah voilà. Allez. Regarde, il a fait exactement ce qu'il fallait et moi j'ai esquivé donc c'est bon. Voilà, tout c'est bon. Par contre, il y a un nombre de rats à looter. Hein. Ouais, mais rien dessus. Hein. Et dans le lot, il y en a bien un qui a quelque chose. Ah, ouais, c'est bien parce que vu que le perso il a jeté Hunter's Mark en étant confus, et ben j'aurais même pas besoin de le. Oh, c'est... ça c'est sympa. Oh, bah c'est bon, on a nettoyé la zone. Eh, mon élémentaire de feu il a tellement fait le taf. Ah, bah là. Pas dégueu l'élément. Ah, il y a un coffre là-bas. Du loot. Oh le chien truffé quoi. Eh, y'avait un calice en or. Hein. Et une tomate. Merde, tu feras gaffe, t'as peut-être une tomate dans ton inventaire. Du coup, on va. On doit dire que je m'y attends absolument pas du tout. Oh, ouais, c'est des bouteilles d'eau. Vladlo aussi, tu pourras faire de la compotée de tomate. Ah bah, génial, super. Ouais, je te ferai goûter. Hein. Bon, après, j'espère que t'as un intestin solide. J'ai un intestin en béton. Hein. Ah, c'est vrai que t'es moine. Normalement, tu contrôles tous tes organes. Exactement. Bon, bah, on a trouvé un TP. Hein. Y a un petit papier là, si tu veux. C'est le verset 5 de Grimlark. Oui, on en a loupé 4. Non, on a trouvé le 3 tout à l'heure. Ah bon, ouais. On en a loupé 3 alors. Avant le combat, 5ème strophe de Horde Sombre. I pour Ilacera, guerrière mage et rejetour de balle. J pour Gergal, épuisé par son grand âge. Ouh, ça c'est de la poésie, ça. Ça m'en donnait 4. Et ben d'accord, la statue. Une grande dalle avec plein de statues. Et là, des tas de cadavres. Ah, et ça, c'est bien. Ça comme gant, mais c'est de la merde en fait. Perception ratée. Ah. J'arrive. Quelqu'un avec de la perception. Corpses arranged with some intent. Attends, on va essayer de sauter là, peut-être que. Ah, ils sont tous piégés. De casse. Au pire, oui, non, mais comme je vais tout esquiver, c'est quand même bien sanglant. Quoi. Si tu regardes sur la petite fenêtre, c'est sympa comme collection. Hein? Bah, regarde la maison, enfin la ruine en face des cadavres, et regarde sur les habits de fenêtre. Oui, je vois qu'ils ont un peu custom. Les piliers aussi. Ouais, les piliers, il faut s'approprier un peu les. Ah, on voit en tout cas que voilà. Super. Non mais bravo quoi, genre je me fais chier à désarmer tous les pièges, il en reste un, il marche. Non mais voilà, on voit qu'ils ont essayé d'agrandir les espaces un petit peu là vu que... Ah la bon. Tête de clown. Cadeau. Alors ça va avec le reste au camp. Attention, est-ce que je vais me casser la gueule? Mais tu peux juste marcher, hein, les pièges ils ont pété. Non, mais j'essaye des trucs. Ah, ouais. Non, mais faut vraiment pas que je saute avec un obstacle devant, sinon je me le prends et ça bloque mon saut. Yata. Mais ça continue loin votre histoire! Ah, bah oui, c'est un petit morceau là. Non, mais là où vous êtes parti là dans la maison. Ah oui. Non ouais mais y'avait rien d'autre. Y'a pas genre un coffre tout au bout? C'est si j'ai récupéré, y'avait 20 pièces d'or et des outils de crochetage. Un bruit de poulet.
Exactement. Ça, c'est une ville sous la ville, hein, ce temple. C'est pas un temple, hein, vraiment. He did not know. He did not revel in the glory of what is to come. Pourquoi il y a une statue qui nous parle? Parce que depuis tout à l'heure, les statues, elles sont éteintes, elles s'allument à notre passage et elles font... elles blablatent. Ah, sixième strophe de Morne Sombre. K pour Kazogoroth, l'avatar ultime de notre seigneur. L pour la duchesse Lyajanat de la porte de Baldur. Voilà, voilà, c'est tout. Ah, j'ai une belle position aérienne, mais je pense que ça ne servira à que dalle. Non, non, non. Ah, tu vois, toi aussi tu bugs. Non, non, c'est pas ça, j'ai pas bugué. En fait, j'ai sauté alors qu'il y avait une échelle. Ah, y'a un cop là en bas. Et normalement, t'as pas la chute ralentie, toi? Bah, j'ai pas tout compris. Ah. C'est toi ça ou... J'ai raté de la perception. C'est Katox. Ouais. C'est pas de brique. Ah bah déjà t'as pas pu pointer. There's a trap. Bah si, regarde, hop. C'est de la mauvaise volonté. Là, ou pas? Attends. Y'a quoi en face là? Bah... On peut y aller par là-bas. Vraiment, on aurait pu descendre par là. Okay. Je propose de... Ah mais y'a des pièges, y'a beaucoup de pièges là. Oui. Ouais. Bah, allons sur les pièges après. Bon, on peut sauter au-dessus, ah, y a un en coffre lourd. La statue, elle a dit quoi quand vous en êtes approché? Je sais plus. Des trucs. Oh, mouvement de caméra, ils sont... Mais Alondo n'a pas vu, il n'a pas su, il n'a pas savouré la gloire de ce qui était à venir. Oui, bah elle l'a déjà dit ça. Oui, bah voilà. Elle l'a redit. On l'a redite, hein. Là, y'a un coup. La petite maison, là, vous l'avez... Non, y'a un coup. Attention, on va essayer un truc. Oh, il arrive avant moi. Allô. Ça, on va pas se mentir, hein, ça allait finir chez moi. C'est probable. Il y avait un lingot d'argent, de l'eau bénite et de l'argent. Ça fait longtemps que je t'ai pas envoyé des trucs en vrai. Je t'en remercie grandement parce que de pas comprendre pourquoi je deviens encombré, tu vois, par exemple dans des combats et que je me retrouve avec des coffres de 20 kilos sur moi, bah. En vrai, c'est rigolo. Oui, bah, ouais, bah, c'est juste que je me dis, mais attends, mais je comprends pas. Normalement, j'ai 27 de force, je suis pas censé être. Être encombré. Ouais. Bah là, j'ai 310 de. Capacité de charge, donc 310. Ah bah écoutez, on a... Ouais, j'arrive. Cadeau, donc on peut avancer. Allez, c'est validé. Attendez, moi je suis à l'autre bout du monde, mais j'arrive. Aération solidaire. J'avais piège. Oublié cette petite amulette qui me permet de regagner des sorts, du coup j'ai récupéré mon sort de niveau 6, épouse. On marchait dessus, Ah mais c'est juste les trucs pour mettre du sang par terre. Ouais ça a l'air. Putain les gars ils ont vraiment un abonnement à la Croix-Rouge hein, parce que... Ah, pourquoi ça fait, pourquoi ça fait clic? Bah, c'est du sang instable. Bah, vous avez marché sur les pièges, ça a rien fait. Bah, si ça met du sang instable, mais c'est quoi du sang instable? Ah! Bah vous avez marché dedans, non? Bah ouais, mais il s'est rien passé, donc... C'est décevant. Bon, bah je vous laisse... Ouverture de porte. Avec l'éponge. Use sponge. Ah, voilà. Ah, moi aussi, je suis tout frais, tout pas propre, je suis tout propre. Mais je veux oublier cet endroit et survivre. Examine ce tour. En religion, t'inquiète, je gère. Absolument pas. Manifestement, non. C'est une porte.
J'ai l'impression que c'est une porte. C'est une porte en porte. C'est une porte en pierre. Qui a de la religion? Personne. Eh pas. Weird Make, il y a 3 épisodes. Ouais, avant. Non, mais même pas. Je crois que c'était même pas proficient. Le clair, même pas proficient. C'est comme ça, vous observez de loin. Ouais, c'est la religion, tout ça. Bon, vas-y, je veux que tu fasses un 1. Il a 120 PV, ta merde, putain. Ouais. Better to live. Ouais, ça fait pas beaucoup, hein. Ouais. Et plus 5, bien joué. Ah, yes, let's go. Tout ça pour faire un 3, oui, bah merci. Allez. Il a raison, c'est une porte. Allez, c'est à toi, ouais, tiens, moi je vais être là, c'est quoi ça? Attends, je peux peut-être recommencer. As if distant eyes were set, watching. Je peux regarder. Allez, let's go. Ah, tu... D'accord. Ah non, je peux que m'en aller. j'ai bien. C'est con, quoi. Je suis le mec qui a un plus 5 et je me tape un 3 au dé, quoi. C'est pour ça, tu vois, genre, religion, c'est vu que c'est basé sur l'intel et que les clérics, c'est de la sagesse, bah, tu tubes en religion. Avec moi, je fais plus que vous, les gars. L'équipe de bras cassés. Et en plus, t'as pas d'inspiration, quoi. Pourtant, on est censé aller par là, on est d'accord. Allez, let's go, j'essaye. Attends. Je peux pas, là, je suis lancé de dialogue. Mais fais walk away, enfin, fais pas le truc tout de suite. J'ai une couronne qui donne 17 d'intel. Religion étant en intel. Vas-y, ouais, vas-y, je pense que ça va être superbe. J'aurais pu la mettre avant de lancer le dé, mais... Il y avait pas un anneau qui filait de la... Attends, je regarde, peut-être que j'ai une arme qui me rend intelligent. Et ta super masque, Atox, là. Quoi? Ah non, c'est perception. Qu'est-ce que je suis censé faire avec cette super masque? Je crois qu'il y avait un anneau qui... Non, pour la sagesse, non. Allez, vas-y, j'ai mis la couronne. Oui, mais on l'a vendu, je crois. Ah bah super, allez, let's go. Ouais, je l'ai plus. Attention, est-ce que je vais clutch? C'était dit. Eh bah non. Ah bah super. Ah bah les mecs, c'était une superbe aventure, allez, let's go, hein, fin de partie. Bon, bah on se casse. C'est nul. Tellement déçu. Je suis sûr que ça passe. Bien tenté, Timir. Ça va pas marcher. Bon bah, on peut marcher dans le sang, hein. Ah ouais, vas-y. Clic. Clic. Clic-clac. Bon bah, c'était bien, hein. Déçu. C'est tout ça pour ça. on a fracassé un mec. On s'est fait... Est-ce qu'on irait pas à... Je vais dire quelque chose, mais... Est-ce qu'on irait pas à la bite de Katox? Bah, vu qu'il a dessiné une forme phallique, oui. Je vois pas. Je vois vraiment pas. Pour moi, ça ressemble à... Un œuf sur le plat. C'est un amas de points. C'est un amas de points qui est posé de manière totalement random. Je suis navré, mais. Du coup, je vous propose de se TP au City Stewards. Sauf que d'où on est, on peut pas. Ouais, il faut se rapprocher de la pierre de TP. Bah, ah, là, oui. Tu cliques dessus. Ouais, c'est juste qu'on est lock à STP et autres. Non, ah, si, oh. Non. Moi, je suis cliqué dessus, je suis TP, moi. Non, c'est pas ça. Alors, attends, faut cliquer sur la top de Katox alors. Non mais attendez, mais comment on fait pour TP? Bah tu cliques sur... J'ai cliqué sur le cercle de TP. C'est ça, quoi? Oui, je sais qu'à droite t'as la liste. Non mais t'appuies sur la carte, à droite t'as la liste, tu cliques sur les égouts de la ville et c'est fini. Ouais, et ou tu repères sur la carte, tu cliques sur le petit symbole et tu te TP directement dessus. Chez moi ça ne marchait pas, ça me disait que j'étais pas dans une zone. Oui, les deux façons sont tout à fait honorables, hein. Il y a que la mienne de toute façon. Oh là là, quel homme. Quel homme. Attends. L'homme, la légende, le mythe. L'homme qui avait l'homme qui a entendu l'homme qui a entendu parler de l'homme qui a tué l'ours. Purée, ça c'est. Oh bah, c'est du coup, c'est bien, pas beau. Au moins on aura fini les égouts de la ville. Absolument pas.
Bah, de toute façon, on peut pas aller plus loin, donc. Ouais. Après, c'est bien parce que je pense qu'on va avoir compris à quoi servait une des clés dans le jeu, dont j'étais en train de encore réfléchir à l'utilité, mais c'est peut-être pour ça. Ça sert à ouvrir cette porte, quoi. Il y a des chances, hein. Ouais. Bah, c'est bien, on va pouvoir aller voir les vampires. Oui. Oh là 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 là. Ici, hein. La couronne d'intelligence, c'était à qui déjà? C'était à toi? Oui, et ben je te la renvoie. Moi je dois dire, c'est pas plus mal. Hein. Si on remonte après avoir fini cette zone-là, on remonte à la surface. On pourra passer devant l'armurier. Putain, j'ai des lags, c'est ouf. Ah, c'est le suivant. Le levier! Ah, celui-là! Eh, il a cliqué sur le bon. Putain, on est beau. Putain, ça limite ça mérite un screen. Attends, comment on fait déjà pour cacher F10. Merde. Un sauron derrière là. Et ça, c'est pas du tout de. On est pas du tout en mode. Sauron est à 30 cm. Des saurons. Je crois pas. Je nous ai pris sur le bac là, on était super beau. Ouais, quoi. Des caisses vides. Et là cette statue à moitié pétée, on dirait un espèce de démon. Wouah, la porte qui est pas une porte, elle est stylée en vrai. Hein. Surtout un truc pas du tout, ça ressemble à une chauve-souris avec deux grands crocs. Pas du tout référencé. Là, c'est fermé aussi donc. Pas mal. C'est trop stylé, ouais, c'est bien les égouts. Et donc on. Voilà. Allez, on se casse, hein. Et la lumière, là, elle peut pas s'éteindre, la lumière en haut, je sais pas. Quoi? Là, il y a une lumière, mais j'arrive pas à l'atteindre. Je suis trop petit. Mystique Curible. Oui, vas-y, va tirer. Ça a rien fait. Non, bah... Eh ben, c'est... Pardon, c'est tant pis. Bah, on est content d'être venu là, hein. Ouais, t'as vu, ah, c'était cool. Là. Donc on a fait un méga fight pour rien. On a fait une balade en bateau, c'était sympa. Est-ce qu'on se tapait pas du coup aux portes de Baldur là? Enfin, Basilis Gate? La porte du basilic? Bah ouais. Oui. Porte de basilic. Attends, mais y'a pas un endroit qu'on n'a pas fait? Y'a pas. Attends, y'a pas. Si. Je sais ce qu'on n'a pas fait. Vas-y, j'ai retrouvé. Retépez-vous au City Sword. Si. Il y a un endroit, il y a la montée des gueux. Mais oui. C'était pour sortir. Non, c'était là. Ah, merde. Non, c'était pas là, c'était. Non, je pense qu'il vaut mieux prendre Undercity Ruin. Mais là, tu vois. Y a pas un endroit qu'on n'a pas fait. Si, tu as raison. Je vois de ce. C'est la remontée, la remontée graisseuse, un truc comme ça. Non ouais. Par là. Ah merde, je me suis trompé de. Merde, je vous ai encore perdu, vous êtes où? Dans les égouts. Faut aller vers le nord. Attends, c'était pas. Ah, mais attends, vas-y, tu longes et tu prends. Vas-y, va en haut. Ah si, c'était là. Vas-y, encore en haut. C'est dans ces environs aussi, mais je sais plus où. Voilà, c'est tout droit. Là! Ah oui, c'était à la cache, c'est ça. Ouais. Et enfin. Je sais plus si c'est celle-ci d'endroit ou pas. Si, c'est celui-là. Je pense que c'est celui-là. Non, mais il y en a un des deux, ça nous amenait dans la ville, et il y en a un d'autre, des deux autres. Ah non, c'était celui-là, Grizzly Smelly Climb Up. Ah, exactement, Flynn Cargo Basement, voilà. Et dans le film. Ah, finalement, tu t'es retépé. Sous-sol de l'entrepôt de Flim. Le flib. Ça ressemble plus à des prisons qu'autre chose, mais. Ah, en vrai, ouais. Je sers de point de repère à Arda. Ça se trouve, ça sert à rien.
Il y a deux portes déjà. Un bloc de détention. Machine. Ouais, c'est ça, bloc de détention ou. Ah! Et une échelle. Et du fer infernal. Attends, ils sont partis de l'autre côté. Ah, super. Ah. Et là, bah, c'est. Il y a toujours. Ça arrivera votre toujours. Votre échelle, ça retourne à Baldur's Gate. Bah oui, c'est ça, donc c'est pour ça que je viens vers vous. Et pourquoi du coup vous allez vers l'échelle qui retourne vers Baldur's Gate? Je sais pas, moi. Non plus, c'est pour ça qu'on vous pose la question. Le caisse subaquatique. Oh là là là. C'est trop bien. Oh, c'est que ce truc. Ouais, c'est le Nautilus. Il se passe quoi là? S'ils nous font. Attends, mais comment il s'appelle? Le Red Hammer Divisor là. Masse rouge, le concepteur. Ça sent le plan cul, hein. Il y a tout qui est à moitié en train de péter là. Ça sent l'arnaque, hein. Un citron. Banane pourrie. Banane pourrie. Tu sais, c'était ce truc. C'est la machinerie qui a autour qui fait ce bruit là. Non, dans le coffre. Ah, y'a un gros nain là. Et où? Là se trouve le concepteur. Parle mieux de un mec quand même. Comment ça, dis donc, le gros nain? C'est pas gros, non, il est. Y'a un gros tas de nains si je m'avais parlé de toi. Non, mais Totot, il est dense, c'est pas. Pas gros, regarde-moi ça. Tout en muscle. Salut Jackie. Coucou Jackie. Oi, what's this? You spot a curious metal contraption in the water, a submersible. C'est une trompée de porte. Allez. No news is good news. Right. Et vous voyez dans le champ. Especially with the rough water between here non. And the Iron Throne. No prisoners lost in the last batch of runs either. Though them servers of Umbly are making the trip damn near dead. Tu me vois pas là? Bloody salt is always flopping around in the water. Tu mens. I've almost hit one or two now. Might have even nicked one off the port bow the other day. Maybe that'll teach them to keep out of the way. Ah, mais t'es sur la plateforme. Et là, tu vois. Putain. Foundry under control. It's an underwater prison, most secure in the realms. Myself and Cap are the only ones who can make it there in one piece. Do you now? Boss never sends anyone that away but prisoners. Putain, t'as aucun bonus pour les jets, c'est marrant. Il frappe fort, mais c'est pas parlé. Oui, heureusement, hein, parce que après que j'ai dit ça, je me suis dit, bon, après, est-ce qu'il y a vraiment besoin qu'il ait en plus des bonus là-dedans, sachant que déjà, il fait très très bien tous les combats. Non, mais on va laisser Katox faire. Ouais, c'est Katox, pas un... Il a des bonus, ce truc-là. Attendez, mais que vois-je? Un truc verrouillé. Oi, what's this? Hop là. You ain't supposed to be down here, mate. Pas de bonus pour parler. Spot a curious metal contraption in the water. J'ai envie de crever. Y'a rien dedans. Ça fait chier de ouf. Tu vas voir que je vais rater mon rejet de tromperie que t'as réussi naturellement, quoi. Oh lolo. Heureusement, c'est tout juste. c'était pas glorieux. Hein. No news is good news. Bon, ça, on a déjà entendu. Maybe that'll teach them to keep out of the way. Do you now? Boss never sends anyone that away but prisoners. Allez. Oh là là là. Tu es mon ami. Oh.
Super, merci l'avantage. Ah, est-ce que t'es content là d'avoir utilisé ton avantage? Extatique. Ah, y'en a même pas d'inspi. Oh, fuck. Sure he did, buddy. Sure he did. Don't know what your game is, but I don't want to be involved. Bye. On peut le tuer? Ah, mais non, mais qu'est-ce qu'il. Hein? Ah, d'accord, il dit au revoir, mais on rentre quand même? Didn't I tell you to feck off? Quoi? Ah, je peux tenter de l'intimider, allez. Voilà, là c'est bon. Fallait être méchant quoi. Tout de suite. Alright, alright. Keep that mad dog stare to yourself. I'll take you in. But look, there's some bad shit going down in there. You don't want to get involved. Neither did I, but it was them or me. I'll get Cap warmed up. Get in when you're ready. Allez! Hey, let's go! Je sais même pas ce qu'on va y foutre, hein. Je suis sûr qu'il y a 3000 quêtes à y faire, et en fait on est même pas au courant de ce qu'on va y foutre. Ah non! Les mecs, soyez agiles, le pied d'est! Ça sent le combat! Vous allez voir, franchement, non. Après, ce qui est bien, c'est que cet acte-là, il est long, c'était celui qui était le moins peaufiné, mais par contre, ils ont mis plein de mécaniques différentes durant les combats qui sont cool. Et encore, je l'ai pas fait en tacticien, donc je sais pas ce que ça va donner, mais. Genre, une tactique où tu bouffes le sol pendant tout le combat parce qu'on te spam de flèches de feu. Alors, ça va pas être mieux celui-là, je vais pas te mentir, qu'il risque d'être bien tendu du cul. C'est stylé, il y a une cutscene. Il est beau en plus le vaisseau. Ouais, franchement, il est stylé le vaisseau. On rappelle Star Wars. Ouais, exactement, c'est ça, putain, ça fait penser au vaisseau Gungan. Misa. Aren't you the intrepid little adventurer, digging and diving where you don't belong? I thought we were friends. Fuck you, Gordon. Ah, la 3, elle est incroyable. Je vois pas les lignes de dialogue, putain. It's affecting your manners and your intelligence. Your presence here is a threat to the survival of the hostages inside the Iron Throne. Dead, they're no use to me, so I keep them safe, after a fashion. I have prepared for this eventuality, and if you interfere, I will destroy the Iron Throne. Return to the city. Find Orin and claim her Netherstone as you agreed to do. And then I will forget this transgression. Your conscience pricks. You did agree to an alliance after all. Then again, what honor need there be with someone like Gortash? How many people are trapped within? How many lives will be lost? Mais d'accord, on y va. Pas choisir, mais je suis d'accord. That was a mistake. When the corpses start to wash up on the shore, remember, you could have prevented all this. Alors, j'invite à ce que tu sauvegardes. Ah, bah yes, parfait. Voilà, allez les gars. On a 5 tours maintenant. 5 tours pour faire quoi? Eh bah, pour sauver tout le monde dans le complexe. Vous pouvez regarder la map, c'est grand. C'est plutôt grand. Oui. Donc voilà, on fait 2 équipes de 2, 4 équipes de 1, c'est comme vous le souhaitez. Mais il y a. Du fight, je suppose. Ah oui, sinon c'est trop simple. Bon, déjà, moi je descends. Ouais, allez, hop. Ensuite, une échelle. Et
Et comment on fait pour sauver les gens? Ah bah là, le myrmidon... Eh bah, faut aller jusqu'aux cellules pour les ouvrir. Est-ce que je vais prendre des dégâts? Alors, où est-ce qu'il y a des ennemis? Alors, ils vont pop au fur et à mesure, là, tu vois qu'il y a un Suagin. Il y a des compos dans les... Comment dire? Dans les... Comment dire? Dans les barils et tout. Et en gros, vous avez des leviers comme ça, là, à ouvrir pour... Voilà. Bah, vous savez quoi, moi je vais continuer dans cette direction là. Je vais commencer. Je vais repartir vers. Je vais partir plein sud. Où est-ce qu'il y a des gens là-bas? Il y a des gens là. On est encore en combat? Ah oui, parce que. Tu vas par où toi, Katox? Je vais plein sud. C'est là en face de toi, ouais. Ouais. Moi, ils sont deux dans la pièce. Ouais, 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 je réfléchis à où aller, où il y en aura le plus, donc. Il y en a deux là où je suis, là où je vais. Alors, moi, je pense que ça peut être. Ah putain, on a pas fait de court repos, j'ai pas récupéré le Misty Step. Ça, c'est chiant. Un tonneau d'huile, ça se balance, ça. T'auras besoin de moi par là ou pas? Normalement non. Ok. Du coup je vais... Alors je suis désolé, j'ai mis de la glace au sol, mais j'ai attaqué un champion ce machin et ça lui a rien fait. T'inquiète, j'ai des bottes qui m'empêchent de glisser sur le truc donc. Ok. Du coup, moi je vais du côté de Katox ou par le sud, il y a des trucs à faire? Alors, par le sud où va Katox, là dans la pièce en bas à gauche, là où il y a une espèce de petite piscine, il faudrait que vous alliez là-bas, vous. Ok, bon bah je vais suivre Katox. Comme ça, moi je vais aller là. Ah putain, merde, j'ai pas de crochet. C'est chaud, sa mère. Ouais, là c'est pour ça, il faut la jouer un peu stratégique. Y a pas moyen de rajouter... Non, y a aucun moyen là, c'est... T'as 5 tours max... En plus, c'est faut dis-moi, compter le retour quoi. C'est quoi tes crochets, tu veux des tifs tout là? Non mais je pense que je... Tiens, je vais répéter. Ouais, mais après j'ai pas les proficiency donc les portes, sachant qu'elles vont être super chiantes. J'espère par contre qu'ils vont pas maim, parce que s'ils te bloquent sur place, ça va être vraiment pas rigolo. Y'a encore un levier dans la pièce principale là. J'en ai ouvert un, moi. Il y en a encore un autre. Ah non, il est ouvert, j'ai rien dit, pardon, c'est... côté sud, il y a des trucs à faire. Côté sud, là où il y a de la flotte. Oui. Ah oui, il y a un monde de mobs. Bah toi où t'es, toi, là vers où tu vas, donc vers l'ouest, t'as 6 personnes à sauver, hein, donc. Ouais, j'ai vu. Bah c'est pour ça que je me suis dit s'il y a des trucs à décrocher. Et ouais. Là où Katox... Bah toi en fait... toi là où tu vas... Ah bah non mais c'est cool, oui, c'est exactement... c'est parfait. En gros, tu sauves les gens qu'il y a dans les pièces et après tu remontes vers le nord. Okay. Tu remontes vers le nord et comme ça, moi je te rejoins, je les libère et je ferai demi-tour pour venir te filer un coup de main tout au nord. Okay. Bah après de toute façon l'avantage c'est que j'ai... Ah ça par contre ouais, moi j'ai... Un Dimension d'or et je peux dash à l'infini. Bah je pense que je vais utiliser ma popo de... De hâte. De hâte ouais. Vu que j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser sur le fight d'avant.
Comment ça, espace insuffisant, je peux pas aller dans la flotte là? Pas de TP les pistes dans l'eau. Ouais, alors là où il y a des petites bulles, je vous déconseille d'y aller. Oui, ça. Donc t'as dit qu'il fallait aller dans l'espèce de piscine là. Ouais, vous, il faudrait que vous alliez jusqu'à là-bas. Là. Ouais, ça. J'ai pingé. Ah, pas con. Le balancer le tonnage de d'huile. Là, il a balancé des sports de hâte. Par contre, je pense que s'il rentre dedans, ils vont être aussi heist, mais. Ouais, ouais, mais. Encore faut-il qu'ils survivent au round. Ouais, ça survit. Tu disais. Non, mais les deux, je veux dire. Ah! Et si je me mets là. Ah, le gars quand même il pète un truc. Eh mais pourquoi il joue avant? Qui doit coûter des milliards, sauf parce que tu l'as vu quoi. Comment? Bah le gars là, Gortash qui pète sa base sous-marine qui doit valoir des centaines de milliards. Waouh putain. Ah j'avais pas vu qu'il avait autant de PV l'autre enfoiré. Bah il a 100 PV quoi. Si je fais ça. Ah merde, mais faut que j'utilise ma popo de. Va dans le couloir, toi Katox, moi je m'occupe de la cellule qui est juste en face. Ah, mais vous juste êtes allés au même endroit tous les deux? J'essaie d'éviter de marcher dans les bulles. Ah bah super, let's go, ça c'était trop bien. Une méga bombe, mais normalement ça aurait dû les toucher les deux, mais je sais pas, le jeu il a décidé de... Ah level up. GG. Ah bah voilà. Eh ben. Ah mais c'est le level max là en plus. Ouais, ouais. C'est le dernier. Ouais ouais ouais. Ça serait difficile aussi de barrer là. Tiens, ça aurait été bien qu'il se tape quand même. Ça aurait été agréable. On a quelques minutes pour le taper là. Simple battant, mais c'est ok. Ça, tout ça c'est ouvert au milieu là, côté. Ouais, bah maintenant remonte au nord. Ouais, aller au nord après, hein. Ouais, ouais, ouais. Putain, quand ça aura des sales gaffes face à moi. Là. Donc, ouais, non, ça devrait aller. C'est quoi les dommages qu'il faut faire quand t'es porte? Je vais te dire ça. Contendant. Et acide. Acide. Ah, fallait me le dire plus tôt, j'aurais mis une aspersion d'acide. Ouais, alors il faut que tu fasses des dégâts contendants et que tu fasses plus de 50 de dégâts. Pour pouvoir la péter. Tu peux pas la crocheter? Si si, mais je fais l'action. C'est comme j'ai ouvert les deux leviers pendant le tour. Moi j'ai pas d'outil de crochetage. Putain, il reste 3, il va rester que 2 tours là. Mais y'a quoi au nord? C'est bien. Du loot. Non, non, mais enfin, c'est pas des. Ah oui, y'a des coffres. Y'a deux coffres. Putain, mais.
me faire défoncer par les deux gars qui sont face à moi. Ah oui, il y a un coffre plus long, je vois effectivement le coffre. C'est à moi, je suis en train d'ouvrir des portes. Voilà, donc toi c'est bon, t'es sorti. Ah bah il est là lui. Parce que je suis en train de... Ouais. Mais bon. Je finis mon tour et... Ah non mais parce qu'il y avait des mobs entre nous et... Enfin entre moi et... J'étais là pour toi, on est à côté et je joue pas, c'est tout ça. Ah putain, il fallait que je lui parle... Non, faut pas que je lui parle à l'autre débile. Aux gens qui l'hivernent, non, normalement ils sont dans l'initiative directe. Ah mais il y a un duc. Ah ouais, du Graven Guard, c'est... C'est un speedrun de la quête, c'est... ça me fait marrer. Bah en gros, si tu vas pas à cet endroit là à partir d'un certain... t'as un timer qui se met à se décompter dans le jeu que tu ne sais pas, et si tu vas pas à cet endroit là au bout d'un certain temps, le complexe pète quand même. Et il meurt. Ah. Okay. En gros, là, le truc qu'on a fait avec Mizora, si jamais tu le fais pas... si tu fais 10 long repos, 10 ou 5 long repos, et bien avant d'aller ici, le complexe explose et il crève. Ah mais en vrai je sais pas si c'est énorme hein. Parce qu'il va falloir faire leur tour après ça. Normalement c'est... Ouais après t'es pas sous haste et t'as pas réussi à ouvrir la porte donc Après j'ai haste, je vais le lancer là. Ah, les gens au sud vous les avez tous libérés là? Mais non, j'ai pas de quoi ouvrir les portes. Mais t'as des leviers qui sont juste à côté. Ah, fallait le dire. Ah, depuis tout à l'heure on ouvre des leviers. Ah bah... T'as pas regardé ce qu'on faisait? Ah bah non, je sais jamais où vous êtes. Ouais. Dans la pièce du tout début, genre il y avait des leviers. Bah non, mais ah, moi je suis très vite perdu. Ah bah tiens. Oh bah j'espère qu'il va survivre. Pourquoi? Well, look who it is. I was hoping you'd bound along. Et c'est qui le duc Ravengard? C'est le père de Will? Mais oui! And I've come to see it through. Mia Furia. Kneel for me. If ouais, only Will were here to brain, see quoi. This. This is what he ah, wanted, bah, du coup, elle va le buter. After all. Ouais, ça. Now, stand back and enjoy the show. Ah, en vrai, faudrait réussir à les buter, quoi, c'est ça? Mais... Ouais, mais non, parce qu'elle joue avant toi, de toute façon. Putain. Il est pas mort encore, hein? Ouais, il lui reste un PV. Oh, mais j'ai l'amulette pour soigner, yes! Ouais, mais ton tour sera pas avant deux autres araignées. Bah, si. Bah, regarde, là, c'est tu sais... Peu, là. Ah, putain, ouais, t'as raison, chier. De quoi? Mais c'est hard. Mais... Ah, ouais. Parce que là, il lui reste quoi, un PV? Et ben... Bah, il est mort. Ah mais en vrai, en deux tours, je sais pas comment je fais pour aller ouvrir un coffre. Hein. Mais ça lui a rien fait. Deux tours, plus leur tour. Hein. Ah bah ouais, elle retourne... Parce que même moi, le coffre, je sais pas comment je vais y aller. Hein. En fait, t'es obligé de te gaver de potions de vitesse hâte, ouais. Ou des trucs de bon glorieux, enfin bref. Après, si tu le sens pas, fais demi-tour, hein, mais. Non, mec, c'est vrai que Katox, peut-être qu'on aurait dû t'envoyer toi plutôt galoper. En fait, je comprends pas pourquoi vous êtes allé au même endroit, Arda et Katox. Parce qu'il y a tous les hâtes qui pop dans la flotte. Là pour leur tour, ça va être chaud sa mère quoi, ouais. Deux tours. Hein. Et au coup, vous barrez ? Ah, mais toi t'es rentré dans le couloir, Kata ? Bah, à la base, on m'avait aidé à choper le coffre et puis. Bah, c'est pas un coffre, hein, c'est. Il y a un truc apparemment. Et bah, il y a quelqu'un. C'est pas marqué. Hein. Ça, Ah, bah oui, mais c'est le but du jeu, mais. Ah !
Ah, au sud. Ah bah t'aurais dû me dire, je serais allé au sud. Non. Non. Putain. Ah, de toute façon, en même temps, c'était sûr qu'il allait mourir. Mais hein, c'est impossible, en fait, tu peux pas le sauver. Ah bah là, à mon avis, non. Sauf si vraiment tu joues avant et que t'as un mec avec un truc de def ou un truc comme ça. Ah, les deux attaques d'opportunité, ça va être super ça. Target cannot be inanimate entity. Attends, vas-y, je vais essayer de voir si je peux pas le raise. Mais Mais non. Je suis en putain de forme gazeuse, bordel de cul. Je peux pas le raise. Bon, j'ai de la place dans mes sacs, je prends le cadavre. Et on fera un petit speak with dead. Y'a quelqu'un qui a le sort pour parler avec les morts ou pas? Oui. Bon bah je prends le cadavre et on parlera avec lui devant Will. Il va kiffer. Allez zou. En fait les coffres c'est impossible d'aller les chercher. Hein. Genre y'a trop de trucs à crocheter. Bah je crois que tu devrais avoir moyen d'accéder à cette zone sans avoir ça en fait. Mais tu fais cortage, tu fais bien plaisir, machin, blablabla. Non, je crois pas. Hein. Cette zone là, tu peux pas la faire autrement que ce qu'on a fait là. Ah ouais? Ouais, tu rentres directement en confrontation avec lui, tu peux pas. Bon bah, moi je retourne à la maison. Faut rien faire de plus. Et de toute façon, il faudra deux tours. Ah merde, la potion de hâte, je vais être. Je vais peut-être clamser moi. J'ai oublié que la potion de hâte c'était plus 4 tours mais 3. Ah bah c'est sûr. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe si tu sors pas, tu murmures? Ah bah. Donc c'est dû en avoir au moins un qui sort histoire que tu puisses ressusciter les autres parce que je pense que les corps sont transportés au camp. Je sais pas, j'ai failli la première fois et j'avais reload ensuite pour le faire donc j'ai pas. Ah mais jamais ils s'en sortent aussi là. Vraiment, vous êtes vraiment des merdes les péons là. Ah là, pourtant on n'a pas perdu tant de temps que ça hein, donc. Ah bah c'est à dire que les péons j'y étais tour 2 quoi. Faut voir si ça va. Ah mais par contre vraiment les araignées, je sais pas du tout comment tu fais pour les gérer en tacticien. Là tu mets un piège. Ouais, tu dois prévoir qu'elles arrivent. Ah ouais, peut-être que j'aurais pu foutre du sanctuaire sur. Ah bah non, je sais pas, de toute façon le sort donc bon, ça règle le problème. Combien les mobs là où vous êtes là? Il y en a beaucoup quand même. Ah ouais, tu laisses Katox dans la merde. Bien joué. C'est chacun pour soi. T'aurais dû le laisser là-bas ton LM, non? Attends, c'est un sort de niveau 6, je vais pas le gâcher. Ouais, mais bon. Après, ils ont des bonnes portées de déplacement, hein. Ils ont le TP en plus, le pas élémentaire là qui permet de se TP. Faut monter encore, hein. Oui, mais je me demande si en étant dans le sas du premier étage, c'est pas bon. Ah ouais? Je sais plus. On le saura bientôt. J'ai pas la possibilité de déplacement suffisante de toute façon. Ouais, mais là, du coup, tu vas vivre bien pour qu'il nous casse les couilles, du coup. Enfin. Mais non, t'inquiète. Je me demande s'il y a pas moyen d'arrêter le fait que tout pète. Le tonneau à côté de toi, s'il a pas été loot, Ardash, enfin, Atemir, je te conseille de le. Je crois qu'il y a des compos dedans. Mais il semble que j'ai déjà loot. Bon, ça, 500 XP. C'est vu de là où Arda a commencé, moi, je meurs. T'as pas de quoi. Genre, une petite flèche de téléportation? Ouais, t'inquiète, hein, c'est pareil, moi je meurs aussi parce que ma potion de doigt va me stun. Attends, mais tiens, je te finis.
monter dans son inventaire. On va voir si ça aide. Bah oui, c'est 60 mètres. Je dois pouvoir tirer sur l'échelle. Moi. Faut que tu fasses passer le tour à ton myrmidon de feu. Hein, bah. Pardon. Bah, je pense que le plus grand côté de toi, il va croire. Voilà. Voilà. Le comité d'accueil va être violent là. Ah hop. Oh. Et net un catastrophe. Non c'est bon. Qu'il aille un peu plus loin, ça m'arrange. Non. Oh là là là, je luck. Ah moins. Ouais, il vaut mieux que tu te prennes. Allez, bah let's go, à tous les mecs, adieu. C'était un plaisir de vous rencontrer. Est-ce que je peux faire en sorte de les sauver un peu plus, les potes là ? Quelqu'un a une AO de batte ou pas encore ? Mm-hmm. Non. Mais du coup, là, on va être obligé de recharger puisque tu vas mourir. On va voir sinon. Qui c'est qui meurt là ? Bah, Katox, c'est moi. Ah non, juste moi. T'es où ? Ça... Ouais. T'es là ? Ah ouais, je suis là où il y a le ping. Yeah. On va tenter un truc. Mais tu peux pas, tu pourras pas me jeter dans le vaisseau. Ah bah attends, il faut qu'en plus je retire mon. Attends, je retire mon passif. Ah bah je peux pas. Ah je peux pas. Je peux pas, je suis incapacité. T'as cassé les couilles parce qu'en bah, c'est long, hein. Non, mais casse-toi. Casse-toi, on va voir si. On va voir si ça marche. Hein. Note of movement. Comment ça, c'est ça ? Ouais ? Bah. Mais je m'en fous, je veux. T'es obligé de target quelqu'un pour ça ? Pour ? Tu peux te targeter toi ? Non, tu. T'as pas besoin de. Si c'est Dimension Door, t'as pas besoin de target quelqu'un, tu peux cliquer à côté et. Non, il veut pas. Ah bon ? Bah ouais, mais. Non, mais. Bon. Je sais pas, sois clair. Je sais pas pourquoi je me prends la tête. T'as triple dash. Y'a pas d'arnaque. Tant bon bah, allez hein. Bon bah... Hey, y'a un backpack. Y'a quoi dans le backpack? Il met des vidéos aussi. Et celui là-bas? Ah, Dieu m'une mire hein. Ah, c'est dommage. Ça... c'est chaud la semaine, tous les petits pivots, là que tu allais sauver là. Après, c'est pas dit, avec quelques-uns qui étaient à côté de la. T'es à quoi, t'es sûr ? Bon, je pense que ça te fait un petit succès. Je sais même pas si c'est physiquement possible de tous les sauver. Bah, en normal, c'était faisable, mais là, effectivement, à moins d'avoir des potions de dash. Non, mais je t'ai dit, moi, ils étaient full hâte. Ah non, regarde, ils rentrent tous, hein. Je pense que c'est bon, ils vont tous être tous les petits. Non, regarde, il y en a un qui est pas passé. Ah ouais, il y en a un qui va. Bah, c'est pas grave, hein, je vais pas pouvoir tout seul, ça va être bien. Là, il y en a même plus qu'un là, ils sont encore pleins en bas là. Qui est là où là belle. Je sais pas, En fait, c'est le gars qui est devant l'échelle. Ah, je crois que j'ai pas aimé que vous m'abandonniez. Moi, j'ai eu un plus 50, hein. Parce que vous m'abandonniez. Mais il manque le nain. Oh well. Il a d'habitude quoi flotter par la foule. tu vois juste remonter à la surface et faire de petits fucks avec des bulles qui sortent de son nez. Ah, j'ai été curieux de voir comment ça va se passer vu que là effectivement. En plus, on a monté un niveau. Ouais, c'est bien, hein. Incroyable.
Et là, hop, full respect. Je deviens barde. Je deviens barde. Alors la bonne nouvelle, c'est que je suis mort, mais sur le rivage. Ah bah. Apparemment, la plupart ont survécu. Ça va, t'es mort où? Quel rivage? Je suis mort au... Ah bah, je suis un petit... Un petit rivage de Baldur. Sympa. Bon, ben on va terminer l'épisode là-dessus. Est-ce que t'as gardé les XP de ton niveau ou pas du tout? Ah bah je sais pas, je suis cadé moi, donc ouais il écrit level up mais... Ouais vous ne pouvez pas level up quand votre perso est mort, ah bah... Ah bah... C'est bizarre. Ouais non... Putain je vote bande bien. Mais t'es où? Bah je suis sur le rivage là, je suis en train de refaire mon bronzage, je... Ouais mais c'est... Ah je me suis fait un petit pote là, à Starbigs. Il y a Starbigs à côté, Deadle Ofran, Phoenix Lubins. Là dans mon sac, il y a le cadavre de Ravengard. Mais t'es où? T'es près d'Aigreterre ou... Non, c'est... Ah, je suis au sud de Baldur's Gate. Là, vous... regarde, t'es à Basilisk Gate. Si tu vas... J'avais commencé à... Bah, t'as Beehive General Goods. Mais je suis au sud de ça. Non, j'ai cliqué sur Porte de Baldur, mais ça va pas me TP. I can't get there, putain. Ouais, j'ai pas débloqué le TP sur le chemin. Allez, prends bien le chemin que j'ai pris par contre, parce que sinon ça va déclencher des trucs. Je vous laisse gérer ça tous les deux. Ah, il est passé où, Katox? Je suis toujours là. Alors, par où est-ce que vous êtes TP? Parce que moi j'essaie de TP bah, à Porte TP de Baldur. À la Porte du Basilic. Porte du Basilic. Ah. Putain, ça a consommé mon élixir en plus de force. Forcément, t'es mort. Ah, je suis dégoûté, c'était un 27. Parce que je pensais qu'on allait faire un. Non. Ah, si, attends. Ouais, vas-y, là, tu passes tout droit. Non. Pas là où est parti Katox. Non, surtout pas où est Katox. Putain, il va déclencher un combat. Gauche, Katox. Non, gauche, Katox. Derrière toi, Katox. Il y a un combat, il y a deux personnes. Ah, demi-tour. Oui, non, mais là où il y a le cadavre avec le gamin qui pleure, t'inquiète, tu peux passer, il n'y a pas de problème. Ok, bon. Ah, tout droit. Bon, moi je veux pas faire de bêtises. Droit, bah, pas. À droite. À droite, non, ça c'est gauche. Ouais. C'est quoi pendant ce temps-là? Je vais passer mon niveau. Ah non, mais qu'est-ce que tu fous, putain? À Tevir. Demi-tour. Vers le nord. Mais non, attends, oh là là, il fait n'importe quoi. Il suffit d'écouter ce qu'il dit, c'est pas compliqué. C'est quoi ton problème? Je vais aller là, je vais faire ça, et en avant, enfin genre... D'accord. Pourquoi je me fais bah parce que ça a essayé de déclencher un truc, mais si non, ça n'a pas déclenché, tant mieux. Salut, ça va? Ah, je reviens. Ah bah, t'as vu ça, c'est pas beau ça. Le mec il se réveille de la mort, il fait c'est suspect ce sable là. Ah putain. Non mais ce que j'aime trop c'est ça, c'est le nom, tu sais, je flaire un trésor. Quoi? Qu'est-ce que quoi? Pardarine, tu devrais être content avec ça. Je voulais lui prendre quoi? Ah, je peux gagner un sort de hâte qui dure 10 tours. C'est le moment de l'apprendre, tiens. Ouais. Ah, c'est surtout que c'est un super sort. Ah, c'est vraiment un bol des fois. Tu peux le lancer sur des gens en plus, je suppose. Donc... Oui. Ah, yes. C'est le moment de monter son niveau. Mm-hmm. Exactement. Et c'est fait. C'est bon. J'ai monté mon niveau, moi. Faut prendre un feat. Ouais. Ouais, c'est bon, j'ai pris un feat là, normalement je devrais arrêter de me faire emmerder. Ça on en veut plus, on a dit que c'était nul. Et là je peux prendre ce que je veux.
Eh ben, vous savez quoi? Ça va pas être mal, cette histoire. Oh, je sais pas trop ce que je vais prendre, moi. Ouais, je sais ce que j'ai pris. Alors. Ah, putain. Bon, bah, hop. Ah, vos sorts et attaques ignorent la résistance des cibles au type de dégâts de votre choix. Ouais. Bah, moi, je sais ce que je prends. Attends, Tiff Tools, je te les renvoie. C'est fait. J'ai parfait. Fait ça. Ah, ou je prends Lucky. Est-ce que vous voulez qu'on coupe l'épisode ou est-ce que vous souhaitez qu'on fasse la réunion entre Will et son père défunt que je trimballe dans mon sac? On fera ça au prochain épisode. Attends. Ouais, comme mon passage de niveau, mais au final je le fais au prochain parce que sinon on terminera jamais. Putain, mais maintenant il vole le mec. Non mais putain, mais toujours plus quoi. Oh là 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 là, mais c'est sur cet abus qu'on fait la fin d'épisode. Salut les bros. A plus. Tchou tchou, des bisous. Allez, à plus les gars.